super heureuse depuis l'annonce de la sélection. Je pense que c'est le résultat de ma régularité sur les compétitions mondiales. Que demander de mieux ? Ça part bien pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Qu'est-ce que tu attends de ces championnats du monde ? Performer. Il faut vraiment que je performe pour prendre de l'avance, ou plutôt ne pas prendre de retard. Donc performer et prendre un maximum de plaisir parce que ça sera mes premiers. Donc ma première sélection individuelle en tant que titulaire senior. Donc franchement, prendre un maximum de plaisir, profiter et performer. La quinte de Berlin m'a permis de me remettre en question parce que d'accord, c'est une médaille, mais c'est pas l'or. Donc forcément, ça aurait pu être mieux. Peut-être au niveau de l'état d'esprit, le manque d'expérience des fois, il me rattrape un peu. Mais non, ça va, j'essaye de le reprendre. Et puis, je travaille beaucoup dessus sur l'état d'esprit. Et d'ailleurs, on travaille tous dessus parce qu'il n'y a pas qu'à moi que ça fait défaut. Et pour arriver au championnat du monde et décrocher l'or. La forme, ça va, nickel. Donc j'ai récupéré de mon petit accident de cet été, beaucoup mieux que ce que je pensais. Après la quinte de Berlin, ça a été beaucoup plus vite. Maintenant, c'est vrai que des fois, il y a des petites périodes où on se sent moins bon, il y a des doutes qui apparaissent. Mais bon, le plus important, c'est d'être au top de ma forme pour les championnats du monde à Madrid. Est-ce que tu as déjà rêvé d'être champion du monde senior ? Ah oui. J'ai rêvé d'être championne du monde senior. Plus d'une fois, quand j'étais petite. Enfin, je me rappelle, mon plus gros souvenir, c'est en 2012, quand je suis venue voir l'équipe de France briller à Bercy. J'avais 12 ans et demi, 12 ans et demi, 13 ans. Et pour moi, c'était magique. Donc si je peux être à leur place et briller à mon tour, ça sera magique pour tous mes proches et tous ceux qui me regardent, et pour moi aussi. Donc j'ai rêvé d'être championne du monde senior, plus d'une fois.